Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour qui se veut très politique ce soir puisque nous allons parler de la rentrée de l'une de nos grandes institutions, le conseil départemental avec, allez, on va le dire, l'élu qui monte en ce moment, actuellement d'ailleurs, président du conseil départemental, le maire de Capesterre-Belle-Eau, Jean-Philippe Courtois est notre invité. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Chingon, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors c'est vrai que vous intervenez dans ce numéro de questions sans détour avec une nouvelle casquette, on peut dire, en tout cas pour un temps, celle de président du conseil départemental. Il y a la responsabilité, il y a un côté solennel à cela pour l'élu que vous êtes. Effectivement, c'est une nouvelle étape, de nouvelles responsabilités. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des collègues, tant au conseil départemental qu'à la mairie de Capesterre-Belle-Eau, ainsi que les administratifs qui m'accompagnent dans cette mission, puisque pendant 8 semaines, effectivement, donc j'ai la lourde responsabilité que de voir gérer donc les affaires quotidiennes donc de la collectivité, tout en gardant le cap. Puisque le président Losbar a bien entendu, avant de voir retourner aux élections sur Petit-Bourg, posé une feuille de route, celle de faire du conseil départemental une collectivité stratège, une collectivité qui porte plus de réponses dans le quotidien des Guadeloupéens, l'Assemblée de toutes les solidarités. Il est indispensable que nous puissions apporter plus de visibilité en termes de politique publique, mais aussi en termes de réponse aux attentes, puisque nous sommes conscients. Alors le conseil départemental a une lourde responsabilité. Ça, ce sont les grands axes fixés par Guy Losbar, dont vous ne craignez pas qu'il ne revienne pas d'ici à 8 semaines. On rappelle pourquoi vous êtes à ce poste de président aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a des élections qui vont se rejouer dans 3 cantons de la Guadeloupe, dont celui du président Guy Losbar. Oui, tout à fait. Non, je pense que nous n'avons aucun doute. Que vous serez en campagne à ses côtés. À ses côtés, aux côtés de Madame Polifonte, de Monsieur Mado aussi à Bemao, aux côtés donc de nos amis Chantal Lérus sur les abîmes. Mais je suis persuadé de la victoire de ces trois binômes, puisque c'est un projet, c'est une dynamique de groupe, c'est aussi une vision partagée dans le cadre de ce contrat de convergence avec le Conseil régional. C'est dire qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions faire des choix qui soient efficaces, et je suis certain que les Guadeloupéens, que ce soit Petit-Bourg, à Bemao ou aux abîmes, sont conscients qu'il faut aujourd'hui que nous puissions nous installer dans une dynamique de travail pour la réussite du territoire de la Guadeloupe, mais surtout pour l'amélioration de notre quotidien. Alors, dynamique de travail qui s'inscrit dans un contexte particulier. D'ailleurs, ce poste que vous occupez, et également premier vice-président à terme de la collectivité départementale, s'inscrit dans le cadre d'une rentrée scolaire qu'on a dû préparer au département, avec des collégiens notamment, qui soient en présentiel ou en distanciel, devront suivre encore dans les jours à venir le calendrier de cette véritable rentrée, de la reprise des cours. Vous y croyez ? Oui, tout à fait, nous y croyons, puisqu'avec le président Losbar, donc nous sommes attelés à créer des conditions pour que les élèves ainsi que le personnel soient accueillis dans des conditions de sécurité qui soient optimales. La distribution donc d'équipements de protection individuelle sous l'ensemble des établissements, nous assurer que les citernes raccordées fonctionnent pour qu'il y ait de l'eau en tout temps, oui. Que nous puissions aussi donc rajouter donc des lave-mains donc à l'entrée des établissements pour le respect des gestes barrières. Donc c'est dire que nous avons créé des conditions pour que nos enfants puissent travailler dans des conditions qui soient optimales, puisqu'il faut aussi le rappeler, il y a maintenant 18 mois qu'ils subissent cette situation. Oui. Donc à nous maintenant de créer des conditions pour que les jeunes Guadeloupéens puissent retrouver les bancs de l'école. Le conseil départemental a donc mis les moyens pour que tout se passe au mieux pour cette rentrée, avec, on le disait, vous participez, en tout cas vos collègues, aux différentes réunions de travail avec le rectorat, avec les autres collectivités, mais également les syndicats de l'enseignement. Ils craignent, eux, que l'école ne devienne le lieu des nouveaux clusters. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que nous pensons, et c'est pour ça que le président Losbar a mis en place très tôt donc, ce comité de pilotage, de manière à pouvoir échanger avec les professionnels de santé, avec l'ARS, l'URPS, que nous ayons une vision globale du territoire. Nous sommes conscients que nous devons aujourd'hui préparer au mieux donc, cette rentrée, puisqu'il va falloir que nous puissions assurer les gestes barrières. Mais aussi, il y a ce vaste débat au travers de la vaccination, puisque nous constatons autant hier, il y avait des doutes qui pouvaient exister. Mais maintenant que nous avons plus de 4 milliards de personnes vaccinées sur la planète aujourd'hui, nous constatons bien que c'est la Covid-19 qui tue et non pas le vaccin. Donc c'est une position forte. Il y a très peu d'élus qui ont eu ce discours.
discours aussi franc que celui que vous tenez ce soir, Jean-Philippe Courtois? Bah, je vous dirais que c'est peut-être une déformation professionnelle, parce que je suis moi-même analyste en laboratoire médical. Donc, je fais confiance à la science. Effectivement, nous ne devons pas opposer la pharmacopée. Je prends mon Zébapic, certes, mais je ne me coupe pas d'une possibilité permettant de me mettre aussi à l'abri des formes graves dues à la Covid-19. Le débat de la vaccination concerne également notre jeunesse. Hein. À peine 15% de jeunes entre 4 et 12 ans et plus à être vaccinés chez nous. Les établissements scolaires pourraient devenir des lieux de vaccination, en tout cas par établissement. C'est une possibilité que vous envisagez? Non, moi ce que je pense à ce niveau-là, surtout quand on va parler de la jeunesse, qu'il faut absolument que les parents aujourd'hui qui ont des doutes, qui hésitent, aillent à la rencontre de professionnels de santé. Que ce soit le médecin de famille, l'infirmière qui passe dans le quartier. Il y a aujourd'hui au travers donc, de l'ARS un réseau et que nous tendons à renforcer avec le conseil départemental, la région et l'association des maires pour offrir plus de possibilités d'aller en quête de la vraie information. La situation que nous vivons actuellement, elle est surtout due au fait que les réseaux sociaux sont devenus, pour certains, la première source d'information. Ouais. Or, de mon point de vue, c'est une erreur. Vous ne visez personne, mais tout le monde en même temps, disant oui, ça. Oui. Voilà, que moi je dis aujourd'hui que ceux qui sont contre la vaccination, effectivement, prennent cette responsabilité pour eux et laissent à chacun le choix d'aller en quête d'information. Et c'est ça que je dis que la première source d'information fiable, c'est son médecin. Absolument. Et vous le dites, on l'a dit tout à l'heure de façon directe, aujourd'hui, le vaccin, c'est une des solutions pour une sortie de crise. Ça veut dire que la crise, elle est bel et bien là. Vous le ressentez. Vous êtes également un élu de proximité. Vous êtes le maire de Capesterre-Belleau. Vous êtes en discussion, on l'imagine, avec vos administrés. Cette crise sanitaire qui appelle sans doute une crise économique, elle est perceptible également? Elle est perceptible. Et là, vous me permettrez donc de saluer ces nombreuses familles qui sont en grande détresse, en grande souffrance, qui ont perdu des proches durant cette crise. C'est dire qu'aujourd'hui, nous avons cette phase qui s'impose à nous, cette réalité de mort dans nos familles. Donc, c'est dire que nous ne pouvons plus aujourd'hui être égoïstes, faire de la politique politicienne avec ce fléau qui nous touche. C'est pour ça que je le redis, le seul vrai discours sur lequel nous puissions nous appuyer, c'est le médecin, celui qui connaît nos affections, celui qui connaît nos comorbidités, pour pouvoir nous faire un diagnostic et nous proposer la meilleure solution pour nous-mêmes. À cela, effectivement, il y a aujourd'hui une crise économique qui s'installe. Quand les commerces sont fermés depuis de nombreux mois... Ben, c'est le cas dans le bourg de la commune de Capesterre-Belleau, comme les autres bourgs. Mais... Parce que, à notre arrivée, suite aux élections municipales, nous avons mis en place un processus pour dynamiser le centre-bourg, donner de la visibilité, mettre en place des spots publicitaires, l'ouverture du village artisanal pour doter le centre-ville d'un axe pouvant attirer un peu plus de population, créer des conditions pour réconcilier les Capesterriens, mais aussi les nombreux passants avec nos commerces de proximité. Et là, voilà, 18 mois que nous sommes fermés. Et c'est pour ça que je le redis encore une fois, quand on regarde... Les efforts qui ont été faits doivent pouvoir payer à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre. Et surtout rassurer donc, nos commerçants que nous serons à leur côté une fois que nous pourrons repasser au vert. Alors comment être à leur côté? Quel est le rôle des collectivités publiques dans cette crise économique? Comment on peut accompagner ces chefs d'entreprise qui, pour souvent, une entreprise, c'est un emploi. Chez nous, on connaît notre tissu économique. Ben, c'est déjà pour nous être dans l'anticipation. C'est créer les conditions de l'après-crise. C'est donner de la visibilité à ces commerçants pour qu'ils puissent retrouver des clients, des parts de marché. C'est créer la passerelle, parce qu'au sein de la collectivité, nous avons créé un service d'animation et de développement économique pour pouvoir faire la passerelle avec les collectivités majeures, avec les dispositifs de l'État ou des fonds européens pour pouvoir soutenir notre tissu économique. Voilà, c'est créer aussi les marges de manœuvre suffisantes pour que le petit commerçant qui quelquefois a l'impression d'être isolé dans son coin puisse avoir un appui en termes techniques et logistiques pour le montage des dossiers. Voilà, c'est toute cette ingénierie-là qu'on veut mettre à disposition de la population et bien entendu, nous préparons cela de manière à ce qu'une fois que la crise sera passée, que ce confinement sera fini, que nous puissions redonner son élan au commerce à Capesterre-Belleau. Et je profite de nouveau de l'occasion pour saluer les efforts qui sont faits par ces femmes et ces hommes au quotidien. Et les collectivités comme la vôtre, conseil départemental, région de l'autre, peuvent accompagner les chambres consulaires pour venir en aide justement à ces chefs d'entreprise qui doivent battre le terrain tout en étant parfois
confinés, n'ayant pas de retrouvé de part de marché, qu'est-ce qu'on on peut avoir ces passerelles, vous en parliez, mais cette fois avec les chambres. Oui, tout à fait. Ben, ces passerelles, c'est déjà une convention que nous avons signée donc, avec la Chambre des métiers donc, dès notre arrivée donc, aux responsabilités à la mairie de Capesterre-Belle-Eau, de manière à ce que nous puissions donc, nous assurer donc, de permanence à la mairie pour pouvoir accompagner, soutenir donc, nos acteurs économiques. Nous avons pu profiter donc, régulièrement donc, du passage donc, de ces administratifs ainsi que du président Froy sur le territoire de Capesterre. Et bien entendu, nous sommes déjà donc, en discussion avec eux de manière à ce que nous puissions créer des conditions durant ce mois d'octobre pour un grand rendez-vous en direction de nos acteurs économiques. Car nous le redisons, si nous voulons faire de Capesterre-Belle-Eau cette ville nouvelle, cette ville ayant ce label ville touristique, il faut résolument que le tissu économique à Capesterre soit fort. Et cela, c'est notre priorité. Alors, vous parlez beaucoup de Capesterre-Belle-Eau, c'est normal. Vous en êtes le premier édile, mais sur l'ensemble de la Guadeloupe également, on peut imaginer qu'il y ait toutes ces passerelles, avoir peut-être plus de proximité. Vous êtes vous-même un conseiller départemental au cœur de l'actualité sociale également de la Guadeloupe. Quand on voit aujourd'hui que nos enfants ne sont pas tous les jours scolarisés, que les activités sportives également dans les associations n'ont pas pu reprendre, vous craignez également cette crise sociale ? Oui, tout à fait. Cette crise sociale va s'imposer à nous. Et c'est pour cela que le plan de convergence donc, signé par le président Losbar et le président Chalus peut être l'une des pistes de réponse. C'est-à-dire créer des conditions pour que les deux collectivités puissent travailler en synergie. Porter une réponse sur le social, c'est-à-dire dans le quotidien, dans le foyer. Parce que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui qu'une personne qui perdrait son emploi par rapport à ses difficultés économiques ne puisse pas compter sur le soutien du conseil départemental. Ah, c'est déjà le cas dans beaucoup de métiers. L'événementiel a beaucoup souffert. Là, les restaurants vont réouvrir, mais avec passe sanitaire, ça reste compliqué, notamment. Oui, d'où le fait que le conseil régional, comme vous l'avez vu, a aussi donc, injecté un certain nombre d'aides en direction de ces acteurs. Le conseil départemental n'est pas en reste. Aujourd'hui, c'est une stratégie globale que nous devons finaliser de manière à nous assurer de pouvoir soutenir et surtout relancer notre économie. Puisque, je le rappelle, avant cette crise, nous étions déjà donc, à un PIB de plus 3,4, à nous maintenant de créer des conditions pour retrouver cet élan, redonner sa dynamique à la Guadeloupe, et cela, nous allons le réussir. Vous y croyez, on sent de la conviction dans ce que vous dites, mais sur le terrain, c'est vrai que ça paraît compliqué d'une reprise, en tout cas, puisqu'on a des chefs d'entreprise qui subissent effectivement cette crise, tout en ayant en face eh bien, des charges fixes qui sont, elles, bien présentes. Quel doit être le rôle finalement du politique guadeloupéen face aux banques, face aux créanciers, pour que finalement le monde de l'entreprise puisse continuer à vivre, mais surtout à donner de l'emploi, c'est la priorité. Ben, là, l'objectif, c'est à nous de créer en fait toutes ces conditions. Et c'est pour cela que récemment, le président Losbar donc, s'est entretenu avec le préfet pour que nous puissions donc adapter un certain nombre d'aspects au niveau du national par rapport à notre réalité locale. Il a aussi donc rencontré récemment donc le ministre des Outre-mer de manière à remonter les doléances sur le plan social par rapport aux spécificités donc du conseil départemental, mais aussi sur le plan local, puisque l'économie sociale et solidaire va être une réponse majeure à cette crise. Créer des circuits courts, donner la priorité donc à notre production locale, donner de la visibilité à tous nos acteurs dans le sport et dans la culture, puisqu'il va falloir aussi créer toute cette animation sur notre territoire, puisque nous le savons que tous les pans de notre économie doivent pouvoir s'imbriquer par corrélation. Et c'est pour ça que, je le disais tout à l'heure, que nous sommes en train de travailler avec le conseil régional, avec le soutien de l'État, à un projet global de manière à donner de la visibilité et surtout des perspectives à nos chefs d'entreprise. On arrive à la fin de ce rendez-vous, mais Jean-Philippe Courtois, alors je sais par quelques informateurs que vous pratiquez vous-même du vélo pour maintenir la forme. On parlait justement de la reprise des activités sportives. On pourrait imaginer des poches, parce que les associations elles-mêmes n'ont peut-être pas les moyens de créer les conditions financières pour accueillir les enfants avec les règles sanitaires. Là, c'est aussi le rôle du département de venir peut-être en aide à ces associations, ou en tout cas aux ligues et comités. Oui, tout à fait. C'est déjà ce que nous faisons au conseil départemental. Donc, lors de la dernière commission permanente, donc, nous avons débattu d'un certain nombre d'aides en direction donc, des ligues et comités, puisque nous le savons, il est indispensable pour nous donc, de créer des conditions pour apaiser ce climat anxiogène, mais aussi créer les passerelles nécessaires. Ce mot est vraiment important. Il faut que les doléances des Guadeloupéens soient relayées au plus haut point pour que nous puissions trouver des adaptations à notre territoire et faire en sorte que le
spécificité. Qui est un vecteur social, sociétal, que nous puissions donc retrouver ces activités. Le Tour de la Guadeloupe qui arrive d'ici ce mois d'octobre doit rester pour nous donc un moment de ferveur, mais aussi un moment où nos petits commerces puissent tirer leur épingle du jeu. Donc voilà tous ces enjeux qui nous font face et pour lesquels nous ne pouvons pas rater ces rendez-vous. Une dernière question, Jean-Philippe Courtois. Si vous faites du vélo, c'est pour garder la forme dans 10 ans. Certains disent que vous êtes l'élu qui monte en ce moment, l'élu qui va monter jusqu'où ? Ben, vous savez, moi j'avance toujours avec humilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une responsabilité, c'est celle d'administrer la ville de Capesterre. J'ai aussi sollicité leur accompagnement au niveau du conseil départemental pour que nous puissions mettre en place cette nouvelle vision, cette nouvelle manière d'appréhender la politique. Donc bien entendu, je continuerai à travailler avec toutes celles et ceux qui m'entourent avec détermination, mais surtout avec un seul objectif, faire gagner la Guadeloupe. Merci à vous Jean-Philippe Courtois d'avoir été l'invité de QSD. Question sans détour que vous retrouvez, vous le savez, sur le www.etv.gp, mais également sur le Facebook de TV. Et bien d'ici là, on vous souhaite une très bonne soirée avec la suite de nos programmes.